Michel Le Noblaise était un prêtre missionnaire breton, figure importante du renouveau spirituel en Bretagne au début du XVIIe siècle. Né à Plouguerneau, dans le Finistère, il est surtout connu pour son œuvre de prédication et d'évangélisation auprès des populations rurales de la région bretonne. Après avoir étudié la théologie à Bordeaux, Michel Le Noblaise fut ordonné prêtre en 1607. Il choisit de consacrer sa vie à l'évangélisation des régions pauvres et isolées de Bretagne, notamment dans le Layon et le Finistère. Il adoptait un mode de vie simple, proche des pêcheurs et des paysans, et prêchait en breton pour être compris de tous. Une des particularités de son apostolat était l'utilisation de cartes peintes, des sortes de tableaux didactiques illustrant des concepts religieux, moraux ou des scènes bibliques. Ces cartes étaient conçues pour rendre plus accessible la compréhension des enseignements religieux, notamment pour les populations illettrées. Le Noblaise utilisait ces cartes pour commenter et expliquer les vérités de la foi, ce qui rendait sa prédication à la fois visuelle et interactive. Certes, l'utilisation de l'image n'est alors pas nouvelle. L'Église avait vite compris la puissance éducative de l'image pour l'éducation des masses. Les vitraux sont là pour le prouver, mais ce qui est nouveau, c'est l'utilisation de l'image pour l'évangélisation au sein d'un cénacle familial. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, les thèmes évoqués sur ces cartes ne sont pas des scènes bibliques narrant la vie de Jésus ou de Moïse, mais des éléments pouvant aider les gens de l'époque à mener ce qui était considéré comme une vie de bon chrétien. Par exemple, un tableau montre deux chemins larges menant en enfer et un chemin étroit menant au paradis. On y voit des scènes de tous les jours, des danseurs, des paysans, des magistrats. Ce sont les seules représentations existantes de la vie quotidienne en Basse-Bretagne. Le prêcheur et son assistante sillonnent donc la campagne bretonne avec leurs cartes peintes roulées sous le bras, qui viennent à l'appui de leurs paroles. Telle la carte de cœur qui consiste en une série d'illustrations de cœur commandées par le missionnaire comme outil de conversion. Par la représentation dessinée des péchés capitaux, il visait à effrayer les non-croyants superstitieux de son époque en attisant chez eux la peur de l'enfer. Le missionnaire aurait fait réaliser environ 70 cartes peintes qui seront après sa mort connues sous le nom breton de Taolem. 14 sont parvenues jusqu'à nous et se trouvent exposées au public pour la première fois depuis 1952. Parmi elles, une carte relativement précise des côtes de l'Amérique centrale. On y voit les bateaux des pêcheurs se perdre au nord et au sud, tandis que ceux des beaux chrétiens parviennent à Beauport. Son message était parfois mal accueilli, notamment parmi les élites locales qu'il n'hésitait pas à critiquer pour leur comportement qu'il jugeait immoraux. Ses dénonciations publiques et son franc-parler faisaient de lui un personnage controversé, renforçant l'image d'un prêtre un peu dérangé pour ceux qui ne comprenaient pas ou n'acceptaient pas son approche. Michel Le Noblaise est parfois considéré comme un précurseur du renouveau missionnaire qui marqua la Bretagne au XVIIe et XVIIIe siècle. Il est mort à Plouguerneau en 1652. Il est aujourd'hui vénéré localement comme un saint, bien que non canonisé. Il est souvent représenté dans les églises bretonnes et son œuvre continue d'inspirer des études sur l'histoire religieuse de la Bretagne.